Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons parler du pardon, parce que nous sommes croyants, et même ceux qui ne sont pas croyants, nous savons tous que nous vivons dans ce monde, mais dans ce monde, comment sommes-nous arrivés dans ce monde? D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous faisons dans le monde? Et où est-ce que nous irons un jour? Il faut savoir que si nous vivons, si nous existons, c'est qu'il y a un créateur, il y a Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu-là qui nous a créés, il avait créé l'homme pour qu'il soit heureux, pour qu'il puisse dominer sur cette terre. Et l'homme avait péché. C'était Adam qui avait péché dans le jardin d'Éden. Et péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est vrai, ce qui est contraire à ce que Dieu a commandé de faire. Alors, quand vous avez péché, vous avez besoin de revenir vous repentir. Et depuis le jardin d'Éden, quand l'homme avait péché, la communion entre l'homme et son créateur était rompue. La communion était brisée. Et Dieu était descendu lui-même à la recherche de l'homme qui avait péché et qui s'était séparé de son créateur. Et il cherchait l'homme. Et là, nous sommes dans Genèse. Vous voyez, je vais vous lire rapidement. Je voudrais juste parler du pardon. C'est quoi le pardon? Parce qu'on ne peut pas parler du pardon s'il n'y a pas offense, s'il n'y a pas un péché. C'est quand vous avez offensé quelqu'un, c'est quand vous avez péché, que l'on peut vous pardonner. Alors, l'homme avait offensé Dieu. L'homme avait désobéi à Dieu. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 3, où nous lisons ceci à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Ça c'est un commandement, ça c'est la parole de Dieu. Vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il la mangea. Donc là, c'est ça même le commencement, le début du péché, de la désobéissance. L'homme et la femme, Adam et Ève, avaient désobéi à la parole de Dieu. Alors quand ils ont mangé de l'arbre interdit, la communion était rompue, la communion était brisée. Alors Dieu, quand il a appris que Adam et Ève étaient tombés, Dieu lui-même est descendu. Il est venu à la recherche de l'homme. Il cherchait Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Et quand il l'a trouvé, Adam a dit, en tout cas, je ne sais pas répondre parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Mais la femme que tu m'as donnée. Et toi, la femme, qui t'a appris cela? Et c'est le serpent qui m'a séduite. Et j'ai mangé de l'arbre. Et Dieu a prononcé des sentences. Ils étaient séparés. Et pour retrouver la communion, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait pris un agneau dans le jardin d'Éden. Il avait immolé cet agneau. Et la Bible dit qu'il eut effusion du sang. Et Paul viendra plus tard. Dans Hébreux chapitre 9, au verset, je crois, ça doit être 22, Paul dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Pour que le péché soit pardonné, il faut qu'il y ait du sang répandu. Voyez, là nous sommes dans Hébreux. C'est ça même l'évangile. Nous prêchons, nous disons au monde pécheur, à ceux qui ont abandonné Dieu, à ceux qui sont nés des femmes, parce que tout homme qui est né d'une femme et d'un homme, de l'union d'un homme et d'une femme, est né dans le péché. Il est venu dans ce monde en proférant des mensonges, en faisant ce qui est mal. Alors, une telle personne doit nécessairement croire à l'évangile,
pour son salut. Il doit accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est celui-là l'agneau de Dieu qui était venu mourir pour le péché de l'humanité. Alors, pour qu'on parle du pardon du péché, il faudrait qu'il y ait effusion du sang, comme Paul le dit si bien. Il dit, sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon de péché. Et là, je suis dans Hébreu, dans la Bible, Hébreu chapitre 9, le verset 22. Je lis ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pour qu'on puisse parler du pardon aujourd'hui, il faut que l'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme étant le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que c'est lui qui avait répandu son sang pour le pardon de péché. Alors, quand nous l'acceptons ainsi, nous nous répandons. C'est pourquoi Pierre viendra dire, le jour que les disciples, le jour que l'Église était née et que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu était descendue dans l'Église, les gens ont vu les apôtres parler en langue, hein, ils étaient en transe, ils étaient, hein, c'était l'effusion du Saint-Esprit. C'était ça même la naissance de l'Église. Alors les gens ont accouru, ils ont posé la question à Pierre. Que ferons-nous? Parce que Pierre leur a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié là, Jésus qui est mort là, c'est celui-là qui a accompli sa promesse. Il nous a envoyé la puissance comme il avait promis. Alors les gens, s'étant sentis coupables, ils ont posé à Pierre la question de savoir, que ferons-nous? Là, je suis dans Actes chapitre 2. Que ferons-nous? Actes chapitre 2. Hein? Nous lisons ceci, ça c'est Pierre. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Voilà. Là, je peux me commencer à partir du verset 30 combien, parce que c'est 38 où il parle de ça. 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tous ceux-là qui étaient venus, qui avaient vu le miracle qui était accompli le jour de la Pentecôte, ils sont venus. Pierre leur a dit, si je peux encore remonter, lire un peu plus haut, à partir du verset 22, ça c'est Pierre qui parle. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, voyez, par les prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Vous voyez, ça c'est Pierre qui s'explique devant les gens qui avaient accouru, qui disaient, mais comment? Mais ces gens ici ne sont-ils pas tous galiléens? Comment nous les entendons-nous parler dans notre propre langue? C'était un miracle, tout le monde. S'il est Kachokwe, il entendait, c'est un galiléen parlant qui Kachokwe. S'il était un Louba, s'il était Karunde, il n'est pas dans sa propre langue maternelle. C'était un miracle. Alors ils ont accouru. Alors Pierre a commencé à expliquer ce qui s'était passé. Alors après le discours de Pierre, c'est là que, au verset 37, on dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous ? » Parce que nous nous sommes sentis coupables. Nous avons tué le juste, nous l'avons crucifié. Alors que ferons-nous ? C'est là, Pierre leur dit, « Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et venez de recevoir le don du Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Alors, Pierre leur montre la voie à suivre pour qu'ils reçoivent sur le Saint-Esprit. Il faut d'abord commencer par se répentir. Se répentir, c'est quoi? C'est regretter son tort, son offense. J'ai offensé Dieu. J'ai fait mal. J'ai brisé la parole de Dieu. Je n'ai pas obtempéré à l'ordre de Dieu. Je n'ai pas obéi au commandement de Dieu. J'ai fait ce qui est mal. Je regrette. Je suis désolé. C'est ça la repentance. Non seulement qu'on se répond, s'arrête là-bas. Après la repentance, il faut prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ.
au nom de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est le seul vrai agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut alors prendre le baptême en son nom. Cela veut dire que vous acceptez l'œuvre du calvaire. Vous acceptez le sacrifice de Jésus. Vous acceptez ce sang qui était répandu. Alors, vous prenez le baptême. À ce moment-là, le sang de Jésus vous purifie. Et quand vous sortez des eaux du baptême, vous êtes candidat pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Voyez, donc le pardon du péché, c'est seulement au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons un autre apôtre, bon, un écrivain de la Bible, un évangéliste, c'était Luc. Dans Luc 24, il est dit ceci, que le pardon, donc la repentance et le pardon du péché, ça doit être prêché seulement au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Là, je suis dans Luc 24, paragraphe 46 et 47, dans la Bible, donc verset 46 et 47, il est dit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous comprenez? Donc, le pardon des péchés, c'est en Christ, en Jésus-Christ.